Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette polémique autour de la chanteuse Zaz après une interview accordée en pleine promo pour la sortie de son album. Zaz a tenu des propos maladroits, va-t-on dire, concernant Paris sous l'occupation. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors retour tout d'abord donc sur cette polémique qui n'en finit pas. Hein. Oui, tout a démarré mardi dernier lorsque le site internet Pure Charts publie une interview de la chanteuse. Zaz est en pleine période de promotion. Son troisième album, intitulé Paris, est sorti le 10 novembre. Il n'est donc pas surprenant de la voir et de l'entendre un peu partout dans les médias pour en assurer le service après-vente. Dans cette interview, elle répond aux questions classiques que l'on pose aux artistes en promo. Elle raconte la conception de son album, sa collaboration avec Quincy Jones, les tonalités jazzy des reprises de ses chansons qui évoquent Paris. Alors soyons honnêtes, cette interview passe relativement inaperçue jusqu'à vendredi soir, jusqu'à ce que le journal Libération publie à son tour un article sur son site internet, un billet qui pointe du doigt l'une des réponses de la chanteuse dans cette interview à une question sur sa vision du Paris du siècle dernier. Zaz répond, je cite, « À Paris, sous l'occupation, il y avait une forme de légèreté, on chantait la liberté alors qu'on ne l'était pas totalement. » Des propos plutôt maladroits qui ont donc déclenché une réponse très virulente du quotidien Libération. Oui, sous la plume du journaliste François-Xavier Gomez, Libération dénonce une méconnaissance crasse de l'histoire et, je cite, « un propos révoltant ». Pour le quotidien, le terme « légèreté » est bien mal choisi pour définir le climat de délation et de suspicion qui régnait sous l'occupation à Paris. Le journaliste note que cette légèreté était plutôt du côté des dignitaires nazis ou de celui des artistes comme Édith Piaf ou Charles Trenet qui ne refusaient pas de chanter pour l'occupant. En dénonçant les propos de Zaz, ce billet de Libération leur a aussi apporté un coup de projecteur. Très vite, le sujet a été repris dans les autres médias et commenté sur les réseaux sociaux, sur deux registres essentiellement, sur celui de l'indignation tout d'abord, l'historien Nicolas Beaupré rebaptisant Zaz en Naz par exemple sur Twitter, et puis sur celui de la moquerie ou de la raillerie, certains internautes demandant des nouvelles du professeur d'histoire de Zaz ou s'interrogeant sur la possibilité d'entendre la chanteuse reprendre Maréchal nous voilà sur son prochain album. Et face à la polémique, Zaz a été contrainte de désamorcer la situation. Oui, la chanteuse a tenu à répondre sur sa page Facebook par une longue lettre adressée à ses détracteurs. Un message partagé des centaines de fois sur le réseau social où elle explicite ses propos, je cite « Je sais que cette sombre période de notre histoire n'est ni une période de liberté, ni encore de légèreté, sauf pour les armées d'occupation et les collabos pour lesquels je n'ai aucune sympathie. Je voulais simplement exprimer qu'en dépit de cette situation, la vie continuer. Je regrette que certains esprits polémistes aient cru bon de les relayer de manière malsaine plutôt que d'affûter leur talent de plumitif à l'encontre de prises de position plus douteuses ou de sympathisants extrémistes de tous bords. Certains ont également volé au secours de la chanteuse. Benjamin Biolay, par exemple, qui s'est fendu d'un message sur son compte Twitter samedi. Un message déplorant la violence des médias et de Libération en ajoutant que Zaz n'est pas historienne. On a envie de lui répondre qu'on l'avait bien remarqué. Ce matin, on a surtout envie de noter que les propos de Zaz ont sans doute plus à voir avec la grande maladresse qu'avec sa vision de l'histoire. Alors puisqu'on dit que la musique adoucit les mœurs, eh bien, je vous propose de terminer cette chronique avec une reprise de la chanteuse présente sur son nouvel album, une reprise de Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde. Son éclat peut-être à son rire. Voilà, Zaz qui chante Paris sera toujours Paris, qui chantait ça aussi quand même. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. A tout de suite sur Europe 1. Oh là là, Europe 1. Jean-Marc Morandini. Le grand direct des médias.